Un incendie s'est déclaré ce samedi matin dans un immeuble d'habitation à l'île Saint-Denis. Deux pompiers ont été hospitalisés en urgence absolue. Un incendie est en cours depuis ce samedi matin 10h dans un immeuble d'habitation à l'île Saint-Denis, indique la préfecture dans un communiqué. Selon un premier bilan dressé par les pompiers, une personne est morte dans cet incendie et plusieurs personnes sont blessées. Deux pompiers ont notamment été hospitalisés en urgence absolue, mais leur état est stable, a indiqué un porte-parole des pompiers. Huit habitants de l'immeuble ont été légèrement intoxiqués selon la même source. Pour contenir ce feu, un important dispositif de sécurité, d'incendie et de secours a été déployé et un périmètre de sécurité a été mis en place. 60 engins et 195 pompiers se trouvent également sur place. Le feu d'appartement est parti du 9e étage de l'immeuble qui en compte 11, on précise les pompiers à l'AFP.